Attention, les stations fréquences pour le QSO du Sud-Ouest France du canal 27. Les bonnes soirées très fréquentées à vous tous de la part de Dundee 33. Alors, est-ce qu'il y a du monde derrière la porte? Attention, les stations fréquences pour le QSO régional du canal 27. Salut, monsieur Denis. Il y avait quelqu'un du département 47 qui, il y a 3 minutes, a dû appeler. Mais l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est pas de moi. Allez, mon ami Rémi, j'espère que tout va bien et que demain, tu n'auras pas besoin de manger le jardin. H3Cou, département 47. Ah non, rien n'est passé de mon côté en tout cas. Là, ça fait quoi? Ça fait à peu près 20 minutes là, que je suis en attente. Et j'ai rien eu de mon côté. Les 73 à toi, Michel, en espérant que tu ailles bien. Pour ma part, ce que j'avais à faire a été fait là ces derniers jours. Enfin, je veux dire au niveau extérieur, au niveau bricolage pour le QRA. Donc là, c'est bon. Maintenant, les derniers trucs à faire, je peux les faire au sec. Ok, ok, ben, ça avance. Bon, on a validé un blanc pour ne pas qu'on soit traité de raciste. Eh oui, tu en as qui font en sorte d'avancer, et tu en as d'autres qui passent leur temps à jalouser, à se plaindre, à ceci, à cela, et qui au bout du compte ne font rien au bout du compte. Bah, c'est pas grave, de toute façon, le principal c'est que nous on avance, et puis qu'on fasse nos QSO, la radio c'est fait pour ça, et puis en avant roule, hein. Ok, je suppose que tu as relâché le micro, Michel. Ah oui, mais tu peux y aller, c'est bien ici, c'est là. Tu peux y répondre si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, c'est que au niveau signal, j'ai pas beaucoup de QRM, mais j'ai un espèce de bruit, voilà, c'est qui est bien présent. Alors ce qui fait que là, j'ai un petit peu de mal à savoir à quel moment tu relâches le micro, c'est pour ça.
Ok Roselyne, eh bien, les 88 retournés, content de t'entendre également. Le week-end dernier, j'ai pas pu être là, bon, j'étais en réunion familiale. On avait un anniversaire à fêter, alors là, c'était... fallait être là, quoi. Fallait être solidaire, quoi, surtout. Ah, ça s'est très bien passé, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Voilà, bon, j'espère que de ton côté, Roselyne aussi, tout va bien. Retour de micro. Ok, j'ai pas tout suivi parce que c'est vrai que là c'est vraiment pas le top. Ok, bon, j'ai compris que tout va bien quand même. Ok, c'est impeccable. Tu as d'autres stations avec toi, Michel? Moselle, et bien 13-51 retourné, content de vous entendre également. Et oui, la propague, toi Michel, c'est curieux, là par contre j'ai mieux entendu, comme quoi par ton système, une voix grave passe mieux qu'une voix féminine. Désolé Roselyne, pourtant là en ce qui concerne ce soir, en tout cas c'est le cas. Et oui, ce soir, il n'y a pas vraiment de propague, c'est bien dommage. Il y a eu quelques petites ouvertures aujourd'hui, mais c'était vraiment très, très bref, très sporadique, et vraiment pas épais du tout, puisque j'ai dû écouter à deux reprises dans la journée, on va dire 30 secondes à chaque fois, vu que là, en même temps, je suis en train de faire quelques petits travaux là au QRA. Et c'est vrai que là, c'est vraiment pas le top en ce moment. Ouais, mais bon, tu sais ce qu'on dit. Après le trou, c'est la remontée de la propague. Donc, eh ben, c'est pas grave, on va attendre patiemment que la propague remonte. Et puis voilà, et puis là, on pourra à nouveau se contacter. Retour du micro. Thank you.
Ok, c'est vrai que Cocovin, ça fait longtemps que je l'ai pas eu en fréquence. Oui. À chaque fois, c'est pas triste hein, qu'on l'a. Hein. Il a une espèce de comment dire de bonne humeur permanente qui est vraiment super. C'est vrai que à chaque fois, c'est un vrai plaisir de l'avoir en fréquence. Oui. Le retour de micro. N'importe quoi, je te dis n'importe quoi. Ah, le papy, parce qu'un jour je lui ai dit, toi tu fais le coq, moi j'ai le vin de Bordeaux, alors c'est un bon coq au vin. Alors je dis, oh oui, il aime la plaisanterie, aucun problème. Avalez un petit blanc et puis j'ai un troisième à la ronde pour te saluer après. Ok Roger, les 1531 retournés de la part de 14 Delta Romeo 33, Dandy 33, opérateur Rémi, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Retour de micro. Ouais, ok, ouais, je vois qu'il y a un petit peu de monde là en même temps là sur de connecter. Eh bien, allez-y, prenez le micro, ou alors dépêchez-vous d'acheter une station, de vous équiper au QIRA pour pouvoir participer au QSO. Hachi trois coups, et à très bientôt sur les ondes, les stations là, que j'aperçois là, sur le web SDR. Michel, t'as vu un petit peu du côté des îles, là-bas, là, avec la tempête qu'il y a? Oh la vache, on n'aimerait pas trop être à leur place, hein. Bah tu m'étonnes, avec des vents de 300 km, des pointes de vent de 300 km/h, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait quoi que ce soit qui résiste à ça, quoi. Putain la vache. Alors on est quand même bien lotis nous ici, hein. Là on n'a vraiment pas à se plaindre hein, du côté météo. Putain là quand tu vois ça, et c'est quelle île déjà? Oh putain merde, pourtant ils en ont parlé tout à l'heure. Tu as 95% de l'île qui est détruite. Hein. Putain la vache, c'est... ouf. Là, c'est lourd, hein. Pour nettoyer tout, sera rendu d'ici le jour, parce que ça, ils ne peuvent pas aller là-bas.
envoyer un avion, donc ils ont apprêté un bateau exprès. Donc il faut connaître, mais à peine pour ceux qui y vivent, ça doit être marrant. Hein. Ben tu m'étonnes, c'est sûr, oui. C'est vrai que là, quand je vois ça, là c'est, mais tout est arraché. Et puis en plus là, c'est en train de se diriger là du côté de Miami, là de ce côté-là. Et là, là j'ai vu des images là tout à l'heure. Là c'est tout le pays, là tout le secteur là qui est en train de d'évacuer. Hein. Là, j'ai cru que quelqu'un avait pris le micro, je suis pas sûr. Alors là, c'était très très QRP de mon côté. Rudy, ça me dit quelque chose, ça, Rudy. Et 73-51, Rudy, de la part de Daddy 33. Et oui, il me semble que ça me parle. Je sais plus, mais ça me parle. Mais autrement, c'était à peine audible hein, de mon côté. Hein. Retour, Michel. Pourtant, pourtant là j'ai le micro en main. Les 73-51 à la station, pourtant si on est bien là. Mais bon, ce soir apparemment c'est on est que deux. En bas de toute façon, pour faire un QSO, il faut être déjà au minimum deux. Hein. Donc on va pas se plaindre, hein, c'est déjà bien. Les 73 serrés, là, toi, merci de ton petit passage. Bah, dommage que tu sois pas plus prêt pour prendre le micro.
faut toujours penser qu'elle va revenir. Quand tu auras de la propagation, tu viendras avec du verbal, ça sera super clair. Ok, la station qui dit qu'il n'entend rien, monte un petit peu le volume, hachis trois coups, tu verras, ça, on entend déjà beaucoup mieux quand le volume est monté, hachis. Bon alors, Michel, as-tu des news de Eric? L'N7530, bah, de toute façon, là, il y a actuellement un QSO là, dessus. Hein. Ouais, là, on voit de belles traces. Bah, tant mieux. Au moins, ça met un petit peu d'activité sur les ondes. Mais bon, dommage que les M ont décidé de bouder le canal 27. Va savoir. Va savoir ce qui leur passe par la tête. Bah, tu m'étonnes, mais faut lui dire qu'il s'y remette, hein, au contraire, qu'il peut là maintenant s'y remettre. I3 vient du temps libre pour prendre le micro. Hachis trois coups, au cas où il se tromperait. Non, j'ai rien de mon côté là, toi, qu'un petit QRM, c'est tout.
Eh bien, pas depuis. Quand est-ce qu'on a eu? C'est vendredi dernier, non? Ou il y a 15 jours? Ah, je sais plus, quoi. En tout cas, par email, si, c'est tous en plus, c'est-à-dire en même temps que le retour du web SDR. Parce que là, il y a eu encore un petit couac. Mais le petit couac qu'il y a eu au niveau du web SDR, ce coup-ci, ça venait de son fournisseur d'accès Internet. Putain, décidément, lui, il n'est pas gâté, hein. Mais oui, mais bon, là, apparemment, il ne le savait pas. Moi, je m'en suis rendu compte au soir, donc je lui ai aussitôt envoyé un SMS. Lui, il s'en était rendu compte l'après-midi, mais bon, vu qu'il n'était pas au QRA, il a pu rien faire, là, sur le moment, quoi. Visiblement, on va rester que tous les deux à faire le QSO. Eh bien, ceux qui passent leur temps à se plaindre et tout, ça, bon, ben, on verra bien. On verra bien. Attends, il y a quelqu'un qui parle derrière. En fin de compte, c'est devant. Et 73, la station de la part de QSO du canal 27 du Sud-Ouest France.